Rigobert Minani Biouzo, bonjour. Bonjour. Un débat sur la compréhension des conflits en RDC. C'est pour quel objectif pour le CEPAS? Pour le CEPAS, on a remarqué c'est que malgré la gravité de la situation des conflits à l'Est, on a l'impression que l'opinion à l'Ouest, principalement à Kinshasa, dans les milieux officiels comme dans les milieux de la société civile et des chercheurs, on n'en parle pas. On voit plus de 10 000 personnes sur la route de Bounagana, des réfugiés, mais c'est comme si c'était un fait anonyme. Et ça, ce n'est pas acceptable pour un pays. Aujourd'hui, que cache cette résurgence du M23? Le M23, c'est vraiment un arbre qui cache la forêt. Et donc, sa renaissance aujourd'hui, de façon pratique, c'est à cause de l'échec des négociations qu'ils ont faites dernièrement à Kinshasa avec le régime au pouvoir ici à Kinshasa. Mais fondamentalement, chaque fois qu'ils émergent comme cela, c'est souvent pour pouvoir pousser une cause qui va bien au-delà de ce que l'on voit. Pour moi, le M23 aujourd'hui, c'est un épiphénomène et il est important d'aborder la question en profondeur, en connaissance des causes structurelles de ces conflits, déclencheurs de ces conflits et des causes aggravantes de ces conflits. Et à mon avis, c'est ce qu'on ne fait pas pour le moment. Le FARDC accuse les forces de défense rwandaises explicitement de soutenir le M23 et le Rwanda. Nous, catégoriquement, quel est votre avis? Le Rwanda ne dirait jamais qu'il est venu au Congo. Il n'a jamais dit ça. Et donc, il ne faut jamais attendre que le Rwanda vous dise qu'il est là. Mais tout le monde sait que chaque fois que le M23 entre en mouvement, il trouve les armes quelque part, il trouve les munitions quelque part, il a une base arrière, il trouve la ration militaire quelque part. Dans l'actualité aussi, les présidents rwandais et congolais venaient de s'entretenir en Jordanie. Et peu après, c'était à tête le M23 réapparaît subitement de ses cendres. Est-ce un fait de hasard? À mon avis, c'est ce que nous connaissons un peu dans la diplomatie de mensonges hein, qu'on vit dans la sous-région depuis très longtemps. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a quelques mois, le président rwandais a déclaré devant son parlement que le problème pour lui c'était le Congo, que le problème commençait au Congo et qu'il allait entrer au Congo, qu'il avait des hommes pour pouvoir le faire. Je ne pense pas que le président Tshisekedi avec Kagame ont parlé en détail de cette question-là. Et probablement que c'est parce qu'ils ne sont pas parvenus à s'accorder que le M23 a reçu l'ordre de pouvoir faire bouger les lignes. Pensez-vous que la mutualisation des forces ougandaises et congolaises pourrait frustrer le Rwanda jusqu'à l'amener à soutenir le M23 pour ce cas précis? C'est difficile de le dire. Il est clair que le Rwanda a ses intérêts au Congo, l'Ouganda a ses intérêts au Congo, et chaque fois que le Rwanda occupe une position prépondérante, comme c'est le cas depuis un certain moment, l'Ouganda est frustré. Et maintenant que l'Ouganda est revenu en force, plus ou moins, peut-être sans avoir pris soin de pouvoir négocier les modalités avec le Rwanda est de mauvaise humeur. Pour le Congo, déjà le fait qu'un pays sous-traite sa sécurité, c'est quand même assez grave. Et on devrait être à mesure de questionner cela. Vous ne connaissez pas une guerre comme à Kisangani entre les forces rwandaises et ougandaises plus tard? C'est une possibilité. On a bien vu que les forces ougandaises se sont battues avec le M23 à Bounagana, et donc ça peut commencer comme cela. Que faire pour résoudre ce multiple conflit avec cette guerre interminable qui a plus de 20 ans? Je pense que la première chose que le Congo doit faire, c'est de se faire sa propre doctrine de sécurité. Le Rwanda, on sait exactement ce qu'il veut. Il a un certain nombre de réclamations qu'il met sur la table. Le Congolais, depuis plusieurs années, ils essaient de négocier avec eux sur ces questions-là qui sont des faux fuyants du problème. Le Congo doit avoir le courage un jour de se mettre à table avec le Rwanda et qu'on aborde les questions de façon franche. Jusqu'à présent, tout le monde fait les faux fuyants et ça ne va pas aider à quoi que ce soit. Quelles sont les revendications du Rwanda selon vous? Le Rwanda dit qu'il n'est pas là. Donc le Rwanda pousse des groupes proxy qui viennent, qui déstabilisent le pays. Mais derrière ces questions, on sait bien que le Rwanda, depuis plus de 20 ans maintenant, a constitué l'Est du Congo comme sa zone tempo et sa zone opérationnelle. Et qu'il manipule les groupes, il entre comme il veut, il déstabilise la situation là-bas sur place, sous prétexte, et c'est selon la doctrine au moins rwandaise, et Kagame l'a dit dans sa déclaration, que leur pays est trop petit, ils vont faire la guerre là où c'est possible. Au Congo, il y a de l'espace. Il y a aussi des enjeux économiques selon vous? Oui, les enjeux économiques, c'est fortement documenté dans toutes les publications. Ma dernière publication est revenue là-dessus. La question de minerais, par exemple, pour nous, nous appelons ça c'était le carburant des guerres, ce qui permet à la guerre de continuer. Et le Rwanda en a fait un objectif stratégique pour lui. Une partie du Rwanda aujourd'hui a été construite avec l'argent du pillage du Congo. Tout le monde le sait. Vous parlez effectivement de votre dernière publication et tous ces éléments se retrouvent dans ce récent livre. Où le trouver? À quel prix? Le livre qui est intitulé Les défis de la construction de la paix en RDC est vendu à la librairie du CEPAS. Pour les instituts, le livre est vendu à 100$. De façon personnelle, le livre est $50 et pour les étudiants, il sera vendu d'un souper à $20. Rigobert Minani, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. La ministre
ministre d'État en charge de la justice s'est dit déterminé à mettre de l'ordre dans son secteur à la suite du constat fait sur le dysfonctionnement entre les réalités au niveau de la prison centrale de Makala et celle des registres des magistrats. Certains magistrats du parquet s'exposent à des sanctions annoncées par cette autorité. Après sa ronde dans diverses juridictions de la capitale et à la suite de sa visite à la prison centrale de Makala, Rose Mutombo tend à élargir ses visites d'inspection à toutes les prisons du pays pour mettre fin aux anomalies décelées, notamment ne détenir en prison que les personnes condamnées au lieu des prévenus. Jeff Ngoy nous fait le point. Quelques magistrats des parquets de Kinshasa sont dans les viseurs de la ministre et ils s'évertuent à envoyer à Makala des personnes en situation préventive sans procès ni condamnation, ce qui contribue souvent à la surpopulation carcérale. La situation est pareille en province. À l'issue d'une séance de travail hier avec le ministre provincial de la justice du Congo central, celui-ci a exposé plusieurs problèmes liés à la surpopulation carcérale, à la ration des pensionnaires et à l'administration des agents judiciaires dans sa province. Le tableau est chaotique selon le ministre provincial Patrick Yala. Il y a des détenus qui ont passé plusieurs semaines ou mois sans être présentés devant leur juge, a-t-il déclaré. Par exemple, les prisons centrales de Boma et Luozi, construites en 1905, ont largement dépassé leur capacité d'accueil. Les bâtiments sont devenus vétustes, entraînant une série de chaos déplorés. La garde des Sceaux a fait savoir que les fonds alloués aux prisons pour l'alimentation des pensionnaires et l'entretien avaient toujours été mal répartis et parfois détournés. Mais elle affirme avoir décanté la situation. Toutefois, le problème se pose encore au niveau de l'administration de la justice dans cette province. Le même exercice suivi cette fois-ci avec le gouverneur du Katanga, du Haut-Katanga. Outre les conditions carcérales dans sa province, Jacques Kiaboula demande à la ministre d'installer un tribunal de grande instance à Kasumbalesa.